cette fois-ci. T'es vraiment trop nul, tu sais. Regarde où tu vas. Ah, tu as raison, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi il y a des chats ici. Ils ne sont bons qu'à écrire avec leurs idiotes de queue. Bon, voilà notre plan. Ça va être d'un moment à l'autre. Attrapez-la! Ce n'est pas possible qu'elle s'en tire aussi facilement. Non, 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 pas dans l'eau! Oh, les chiens taille-taille. J'ai horreur de l'eau. Sagua! Sagua? Désolée, je dois y aller, mais je me suis bien amusée. Je vous aurai plus tard. Aujourd'hui, c'est un jour très important, Sagua. Oui, nous avons un cadeau spécial pour toi. J'adore les cadeaux, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu penses qu'elle est prête, Nai-Nai? Je suis prête, je suis prête! Oui, je crois qu'elle a vraiment l'âge idéal. Ferme les yeux, Sagua. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Oh? Où est-il, maman? Juste devant toi. Oh! Merci, Nai-Nai. Merci, maman. Je crois... Essaie-le, Sagua. Oui, voyant que tu étais devenue une jeune chatte très responsable, nous avons jugé que le temps était venu de te faire ce cadeau très particulier. Ce collier est dans notre famille depuis des générations. Ça, je peux le sentir, oui. Hé, Sagua, est-ce qu'on va jouer avant la tombée de la nuit ou quoi? Oh, merci encore, maman. Nai-Nai? Sagua, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que tu as autour du cou? Ah, c'est le collier le plus bizarre que j'ai vu de toute ma vie. Tais-toi, Gangua. Ce n'est pas drôle. Oh si, c'est drôle. Nai-Nai dit que c'est un collier très particulier. Pas juste ancien. C'est dingue ce qu'il peut gratter aussi. Oh, joli collier. Tu l'as trouvé où, Sagua? Dans les ordures? Et les copains, on devrait peut-être se trouver des colliers élégants, nous aussi, non? Salut, est-ce que je peux jouer? Oh, joli collier. Hein? Quoi? C'est à cause de ce que j'ai dit? Oh, j'en ai plus qu'assez de ce collier. Dernière vision que j'aurai de toi. Sagua, où est ton collier? Il...
Eh bien, je ne sais pas. J'imagine qu'il a dû se décrocher quand je jouais dehors. Tu aurais dû faire plus attention, Sagoua. Désolée, ce n'était qu'un vieux collier, maman. Non, Sagoua, ce n'était pas juste un vieux collier. C'était un collier très important qui était dans notre famille depuis très très longtemps. Ta mère a raison. Ce collier a toujours été transmis à la fille aînée depuis aussi loin que je m'en souvienne. Oh! Il y a très longtemps, le premier magistrat du village l'a commandé à un artiste exceptionnel pour ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. Le magistrat trouvait que ton aïeul était exceptionnel, unique dans toute la Chine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a été un des premiers chats scribes. Et à cause de ce talent spécial, notre talent spécial, le magistrat a voulu l'honorer en lui donnant ce fameux collier. Bien des années s'écoulèrent et ce fut mon tour de recevoir de ma mère ce précieux cadeau. Ce fut pour moi un grand honneur parce que cela voulait dire que j'étais assez adulte et assez responsable pour prendre soin du collier et continuer la tradition familiale. Et comme ton père n'avait pas de sœur, c'est à moi que Nai Nai a remis le collier. Ouah, je n'en savais rien. Et maintenant, c'était ton tour de recevoir le collier. Nous pensions que tu étais prête. Il faut que je le retrouve. Oh non, pas question, il est tard. Tu le chercheras demain matin. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à nos traditions? Oh non! Il n'y est plus! Quelqu'un a dû le trouver! Il faut que je retrouve mon collier! Oh! Tu joues à bouder! Je peux y jouer? Je ne m'amuse pas, je cherche quelque chose! Oh! Tu cherches un trésor? Oh! J'adore chercher des trésors, moi! Ce n'est pas un trésor, Foufou! Eh bien... cela pourrait être un trésor. Quel genre de trésor? Le collier que je portais hier, tu sais. Je m'en suis débarrassée parce qu'on se moquait de moi. Et tu sais quoi? Il a appartenu à mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Je donnerais n'importe quoi pour le récupérer. Ne t'en fais pas, Sagoua. Je vais t'aider. Merci. Essaie de découvrir si quelqu'un le porte ou le transporte pendant que je cherche dans le palais. Quelqu'un l'a déterré et on va le retrouver. Foufou, à la rescousse! Quelqu'un l'a peut-être trouvé et ignore à qui il appartient. On cherche quelque chose? Face d'encre? C'est vous qui avez pris mon collier? Quoi? Ton collier? Rendez-le-moi tout de suite! C'est un collier très particulier! S'il est si particulier, pourquoi l'as-tu enterré? Hein? Ça ne vous regarde pas! Attendez! Vous voulez le savoir? Je l'ai enterré parce que j'étais gênée de le porter. Je croyais que ce n'était qu'une vieille chose. Mais ce n'est pas vrai. Il est vraiment chouette et très important pour moi. Et pour ma famille! Waouh! Ça, on l'ignorait! Au revoir! Remontez-moi mon collier! À toi de le porter, c'est ton tour! Ça, pas question! Il empeste! Donne-moi ce collier! Oh! Oups! Excuse-moi, Sagoua. Non, tu n'auras pas! Je le tiens, Sagoua! Il est peut-être vieux, il a peut-être une drôle d'odeur, mais
Il est à moi. Allons-y, Foufou. On a de gros ennuis maintenant. Oh, elle nous a encore eu, c'est cinglé. Oh, tu as retrouvé le collier. Nainai, Mama, je ne l'avais pas perdu. Quoi? Je l'avais enterré parce que tout le monde se moquait de moi. J'ignorais qu'il était aussi particulier. Mais ne vous en faites pas, désormais je le porterai toujours avec fierté. Sagua, c'est ce que j'essayais de te dire hier avant que tu ne t'enfuis. Tu n'as pas besoin de le porter tout le temps. C'est vrai? Non, seulement des occasions très particulières. Il a réellement une odeur unique. Je me souviens quand j'étais jeune, moi aussi, tu sais. Ha 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 ha